conversation introductive, l'idée c'est vraiment qu'on puisse échanger ouvertement, librement les uns avec les autres en fonction de nos réalités et de nos contraintes. Un sujet un peu emblématique sur ce qu'a fait la formation, on souhaitait faire un zoom sur les compétences essentielles, c'est-à-dire les cinq actions commandées par la région qui vont se mettre en place à partir de 2018. Ces cinq actions, c'est compétences de base, lire, écrire, compter, compétences générales, compétences en langue française, compétences en langue anglaise et compétences numériques. Sandrine en fera une présentation plus détaillée dans quelques instants. On est inscrit sur l'agglomération havraise dans une vraie logique de travail partenarial au niveau des centres de formation. On se connaît tous très très bien, on est co-traitants dans un certain nombre d'actions de marché. Et l'esprit vraiment des cafés de la formation, c'est un, dans un espace-temps un peu convivial, enfin voilà, où on peut échanger de façon très tranquille, et deux, partenarial, que l'information circule de façon un peu informelle, mais on considère que c'est l'un des vecteurs de circulation diffusée au monde de l'information qui est important à mobiliser. Parce que bon, il y a tous les sites internet, il y a toute l'offre institutionnelle qui est bien évidemment accessible, mais bon, on sent que le contact interpersonnel est quand même le meilleur vecteur pour diffuser et préciser ce que l'on peut mettre en place ou proposer dans nos différents organismes et dans nos différents centres. Donc le lire, écrire, compter, on est vraiment, ça se rapproche des actions compétences clés, oui. D'accord, et renforcer ces savoirs de base, lire, écrire, compter. Hein, puisque, en fait, il y a dans cette typologie d'action lire, écrire, compter, la région Normandie a regroupé, on pourrait dire, les deux actions compétences clés et RSB, LEC, lire, écrire, compter. On est vraiment sur la typologie du public en situation d'illettrisme sur cette action, avec des parcours qui pourront aller de 40 heures jusqu'à 600 heures. Donc ce sera du parcours individualisé par rapport à cette action-là. Il y a effectivement une période en entreprise sur le lire, écrire, compter et le FLE. En fait, ça dépend des volumes. Lire, écrire, compter, en fait, on est sur une durée moyenne de 200 heures, ça peut être moins. Les parcours moyens sont de 200 heures, mais on peut aller jusqu'à 600 heures. Et pour les parcours qui iraient jusqu'à 600 heures, voilà possible, c'est en fonction de l'avancée du projet, si la personne a besoin d'une période en entreprise pour pouvoir avancer dans son projet, ou voilà, ça va vraiment dépendre au moment du positionnement initial, quand on va recevoir les personnes en entretien et en positionnement, il va falloir évaluer si elle a besoin de toutes les compétences de base, si elle a besoin d'une période en entreprise pour son projet professionnel, et de ça va découler en fait le volume d'heures. Soit il y aura un volume de 80, 120, 150 heures, 200 heures. Voilà, ça va vraiment être de l'individualisation pour le coup des parcours, avec la possibilité d'être sur un dispositif à moins de 30 heures semaine pour certains, sur une période de 3 mois pour 150 heures, et puis peut-être pour d'autres, ben, 600 heures avec un temps plein et puis une période en entreprise. Une chose est sûre, c'est qu'effectivement, ça permet à des personnes d'enclencher justement une dynamique pour leur permettre de se réaliser sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Parce qu'effectivement, au niveau des 7 domaines de compétences, on a communiquer en français, la maîtrise des règles de base et de calcul en mathématiques, l'utilisation de l'outil numérique, les capacités à travailler en équipe et à travailler en autonomie, avec une partie notamment associée au projet professionnel, et enfin la septième compétence touche aux règles d'hygiène, sécurité, avec la maîtrise des gestes et postures et des premiers secours. Donc ça permettait d'avoir un outil de diagnostic aussi qui permet de voir au niveau de ces différents items où en sont ces personnes-là pour pouvoir cibler les besoins, les actions à mettre en place tout en faisant le parallèle à un moment donné avec le projet professionnel notamment. Tong 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 t